Voici le nichoir des petits canettes. Alors, on a fait un bois de palette et on est en train de la peindre. Voici le dedans. Signe, pourquoi l'opération sauver les canetons? Parce que, comme vous avez vu dans la vidéo précédente, il n'y avait que 2 canetons au lieu de 4. Qu'est-ce qui s'est passé, Morrigan? Il s'est passé que nous n'avons pas donné la bonne nourriture aux petits canetons, alors ils sont morts de maladie. Non. Nous allons vous montrer la nourriture, bonne et mauvaise. Alors, voici la mauvaise nourriture, celle-là. Il y a pour savoir qui est basse-cour, premier âge, et il y a les cantons. Mais, pourtant, il n'y a pas assez de protéines. Il n'y a que 10% au lieu de 20%. D'accord, donc il faut 20% de protéines, c'est ça? Oui. Donc cette nourriture, tu l'as trouvée où? À Gamvert. Et à côté de chez nous. Je vais vous montrer comment sont les graines. Et voilà. Vas-y. Déjà, elles sont trop grosses. Là. Et c'est celle-là qui a provoqué la maladie à nos 2 petits canetons. Donc, elles sont trop grosses pour les petits bébés, c'est ça? Oui. Ils peuvent s'étouffer. D'accord. Et ils les digèrent pas bien, peut-être? Peut-être. Alors, Morrigan. Oui, oui. Alors toi, c'est quoi la nourriture que tu as là? C'est une nourriture adaptée aux petits canetons. C'est des sortes de petits granulés. Alors vas-y, tu nous les montres. Ceux-là, au moins, ils ne sont pas trop gros. On était obligé de les commander, sinon nous n'en trouvons pas. Et tu les as commandés où? Sur Internet. Et on mettra le lien? Oui. Pour que les gens, pour que vous puissiez sauver vos canetons, pas faire les mêmes erreurs que nous. Et que au lieu qu'il n'y en ait plus que 2, que vous en avez 4. Voilà. Et là, Morrigan, sur ce paquet, il y a combien de pourcentage de nourriture? 19. Ah, c'est écrit ici. Voilà, il y a 19% de protéines. Ah ben, il n'y en a pas 20 alors. Et pourquoi? Parce qu'il faut leur donner aussi des insectes ou les promener dans le jardin pour qu'ils en trouvent. Alors, qu'est-ce qu'il faut leur donner comme nourriture? Comme légumes, pardon. Il faut leur donner de la salade mixée, de la tomate mixée, du melon mixé, des feuilles de pissenlit. D'accord. La pastèque aussi, je crois, un peu, non? Oui. Voilà nos conseils pour sauver vos canetons. À bientôt pour une prochaine vidéo.